Hey, salut à tous les amis, on se retrouve pour l'épisode 3 donc de Resident Evil 0. Donc par rapport à la dernière fois, il faut qu'on avance, mais je vais vérifier l'inventaire de mes personnages. Du coup, on va échanger ça. Non. Non, c'est plutôt l'inverse. Je commence bien. Hop. Échanger. Il veut pas? Ok. Je pensais que je pourrais. Il veut pas. Les amis, je deviens folle ou. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Tac. Je vais laisser. Ouais, le soin, en vrai, je vais pas les prendre. On en trouve apparemment par rapport à la dernière fois. Donc, je vais laisser ça, oui. Et je vais essayer d'échanger ça parce que vraiment, ça me perturbe. Ok, là ça a fonctionné. Alors maintenant on va prendre Rebecca les amis et on va faire la même manip parce que on va essayer de faire en sorte qu'ils aient plus rien dans leur inventaire quasi. Parce que sinon ça va être la grosse panade. On laisse ça ici. Est-ce que je peux combiner ça avec ça? Yes, parfait. Et on laisse ça également ici. Voilà. Donc on laisse le couteau, le machin et tout, les bignous. Alors c'est parti les amis. Donc on va aller à la porte qui est. Voilà, hein, allez hop, c'est parti. On y va, on s'y lance et on croit qu'on va finir par y arriver dans ce jeu. Écoutez, hein, ma foi, hein, la noobitude et Hello, ça fait 1. Wouah! Bravo, Billy! La tête, Billy. Hop! Des munitions, on prend. Eh ben, c'est parti, on va aller dans cette salle. Hein. Bien sûr, il faut explorer, les amis, donc c'est parti. Hop, allez, good. Où va-t-on, les zombies? Est-ce que ça va être l'horreur? Alors, par là, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est la chaufferie. Je me souviens de ça, les amis. Donc là, on peut pas y aller parce qu'il y a encore la fumée qui sort. Donc, il faut qu'on arrive à débloquer ça pour pouvoir avoir accès. Donc, c'est pas pour tout de suite. Donc, on peut faire demi-tour. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Il y a une porte, donc prenons la porte, les amis. Pas au sens littéral, bien évidemment. Hein. Parce que si on enlève la porte, on va être dans la mouise. Bon, il faut que j'arrête avec mes idées. On entend encore un biniou. Ouais, on l'a eu. C'était pas bien compliqué. Ouais, on va pouvoir faire des trucs incendiés, là. Qu'on balance, là, les petits cocktails et tout, là. Mais il faut la suite. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Une statuette. Bon, certainement pour une énigme, donc on prend. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui se trame par là? Y a rien d'autre? Y a rien d'autre qui traîne? Ah, il y a une échelle là. On va probablement la prendre. Donc c'est parti. Allez, viens, Billy. Avant, je vais m'occuper de recharger tout ça. Changer. Bah, il a déjà rechargé tout seul. Ah, il y a un autre fusil là. Ah, nice. Donc, Rebecca, ramasse-moi ça, s'il te plaît. Ah! On n'a pas assez de place, les amis. Alors, attendez. On va échanger ça à Monsieur Billy. Alors, notre petit fusil maintenant, nous aussi. Ah, il y a plus. Ah, on va échanger avec Billy, les amis, parce qu'on a plus de. On peut mettre plus de munitions dans celui-là. Donc, je trouve ça plus logique que Billy l'ait. Ouais, bah écoutez, on peut pas faire autrement. On est déjà quasi full. Bon, allez, Billy, viens. On va aller à l'échelle. On va aller voir ce qui se trame là-haut. Yes, on grimpe, les amis. C'est parti. Et j'ai oublié de regarder l'heure avant de commencer. Ça va, c'est marqué sur le logiciel. Par chance. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? Donc, il y a un corps. Très bien. Et on a des amis. Billy, par contre, je veux bien que tu m'aides. Il était même plus équipé de son flingue, tout va bien. Hop. Rebecca, ma chérie. Combiné, hop. Ok. Des plantes vertes.
Ouais, bon, pour l'instant, ça va pas nous servir parce qu'on en a déjà plein dans le hall. Et on est full de toute manière. Ah si, en soi, je pourrais combiner. Attendez, on peut combiner. Donc on va faire ça. Non, j'aurais dû garder le point de vue de Rebecca. Hop. Ah mais je peux pas biller, elle a 15 slots. Ouais, donc j'ai pas moyen de libérer 2 slots sur Rebecca, donc c'est mort. La porte est déverrouillée. Ok, on n'a rien fait, on n'avait pas de clé, mais tout va bien. Écoutez, moi bien, les amis, moi bien, hein. Écoutez, on va faire avec, hein. Alors, où ça nous emmène? Alors, cette porte. Les épées des chevaliers interdisent tout accès. Ok, donc il va falloir qu'on trouve le moyen de débloquer ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une porte. Prenons la porte et allons voir ce qui se trame. Tout simplement. Bon, Billy, j'adore parce qu'il fait rien du tout. On se demande à quoi il sert le bonhomme, vous savez. Bon. Donc, on va aller tout au bout d'abord. Alors, c'est fermé. La porte est ornée d'un symbole de feu. Donc, il va falloir qu'on trouve une clé. Je suppose. Ici, qu'est-ce qui se passe? Entrons, les amis. Bon, il y a l'air d'y avoir personne. Ah, un plan, ça m'intéresse. Donc, le N2, donc on est au deuxième étage. Le N3, donc on n'a pas encore vu du tout. Là, c'est le rez-de-chaussée. Ouais, et le niveau moins 1. Donc, il y a le sous-sol, de là où on arrivait, justement. Donc, on a la carte du centre de formation. Donc, nickel. Tac, tac, tac. Il y a un truc ici. Rebecca, tu vas échanger ça avec Billy. Voilà. Et Rebecca va prendre ça et c'est un microfilm. Ok, donc on garde ça. Ça doit nous servir pour une quête. Il y a une porte. C'est fermé. Hello, si tu cliques deux fois, tu vas être mal barré. La bougie s'est consumée. Elle a pas de briquet. Lui, il en a un, mais il n'est pas allumé. Donc, il va falloir qu'on attende. Hop, changer. Je reprends Rebecca. Tac, 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 les amis. Ah, ah. Des rubans. Mais on va voir la blinde de rubans. What the fuck? Bon, on va passer de l'autre côté. Tac, qu'est-ce qui se passe par ici? Billy me suppose, c'est bizarre. Un système de contrôle de treuil d'ascenseur. Il y a un creux carré. Ouais, donc il faut qu'on trouve un truc, une manivelle, un machin, pour pouvoir utiliser l'ascenseur. Ok, alors. This way. Ok. Ah ouais, c'est bien ce que je me disais, me suivez pas. Donc on fait demi-tour, les amis, hein. On va retourner dans la grande salle, voir ce que c'est cette grande salle. Et bah, on verra bien où ça nous conduit. Bon. Pousse-toi, Billy the Kid, là, que je puisse passer. Hop. On y va. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un document à lire ici. Alors, règles pour les stagiaires. Mission du centre de formation. Ce centre se donne pour mission de former la nouvelle génération d'employés modèles qui assurera l'avenir d'Umbrella Corp. Nous offrons une formation répondant à des critères stricts et rigoureux, sans distinction de sexe, de religion ou de race. Ce centre fera des meilleurs candidats les futurs leaders mondiaux d'Umbrella Corporation. Nous espérons que ce centre vous permettra de développer vos qualités de leader. Directive du centre de formation, discipline, obéissance, unité. Ces trois mots résument les principes que doivent suivre les employés d'Umbrella Corporation et régissent la vie de ce centre. N'oubliez jamais ces mots, consacrez-vous totalement à votre formation et faites honneur à vous-même et à la corporation. James Marcus, directeur Umbrella Corporation, centre de formation en gestion. Ok, donc ça nous apprend rien, ça nous situe juste un peu le contexte de l'histoire. Mais écoutez, il faut passer par là. Du coup, Rebecca, allons voir là-bas, il y a un pupitre.
Donc si je me souviens bien, il faut un CD ici. Ouais, disque système nécessaire. Voilà, c'est parce que je me plançais, je me souvenais bien. Il y a des choses que je me souviens forcément. Enfin, on a fait le début du let's play, les amis, donc c'est normal. Donc par là, il y a des choses. Donc il y a une machine à écrire et il y a encore des rubans, mais... Mais what the fuck? Je vais avoir plus de rubans que nécessaire. Tac. Rebecca, tu prends ces petites missions des familles. Tu recules. On va prendre Billy pour ramasser les autres. Hop. Allez, Billy. Ramasse-moi tout ça. Yes. Alors, c'est parti. Alors, Billy, Billy. Pour que je prenne Billy ou Rebecca, c'est la même, les amis. Ça changera rien pour nous. Alors, il y a la grande porte centrale là-bas que l'on n'a pas encore prise. On va la prendre. Et on va voir ce qui se passe. Donc, une statue. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a quelque chose d'écrit en bas. Quand le bien et le mal s'équilibrent, un nouveau chemin s'ouvre devant vous. Ok, donc une énigme à faire. Tac, tac, tac. C'est quoi cette porte? La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Ok, donc il faudra trouver un système pour pouvoir la prendre. La porte est verrouillée, mais il n'y a pas de serrure. Une horloge est gravée sur la partie supérieure. Ok, donc il va falloir trouver un truc. Il n'y a rien qui traîne. Ici, c'est juste une porte, une fenêtre. La pluie semble avoir cessé, mais le ciel est assombri par des nuages noirs menaçants. Ok. Encore une porte. C'est parti, les amis. On va voir ce qui se passe là-dedans. On a l'air d'être à l'étage, du coup. Donc, il faut redescendre après. Ah. Un truc écrit. Ah, voilà. Alors, avis à tout le personnel. Ce document semble très vieux. Il est quasiment illisible. Les équipes travaillent sur les vaccins et les agents infectieux se réuniront régulièrement. Ces deux réunions sont classées niveau de sécurité 5. Elles seront tenues dans les salles suivantes. N1, ouest, salle de contrôle. N2, sud-est, salle de conférence. 8h15, code d'accès. Merci. Donc, je vais noter ça. Ça va nous servir pour une énigme. Ah, il y a des munitions. Et il y a un truc qui brille là-bas. Mais on n'a plus de place, je crois. I'll go check over there. Yeah. This way. Okay. Attendez, attendez. Ouais, on n'a plus de place. Hein. Écoutez, on va descendre, on va aller dans le hall, déposer des trucs et on va venir chercher après le truc qui est là. Parce que ça devrait nous servir, je pense. Alors, Rebecca, tac, ouais, il y a l'escalier là. Donc, on a fait tout le tour en haut. Ouais, c'est ça. Donc, là, il y a le tableau qui est un peu chelou, on va pas se mentir. Rebecca, qu'est-ce que tu vas laisser? Bah, le microfilm, on va le laisser là. Yes. J'hésite même à laisser l'arme, en vrai, parce qu'elle prend de la place, hein. Ouais, on va laisser l'arme, vous savez quoi? Est-ce qu'elle prend de la place et... Ah, on peut plus rien laisser dans la pièce, on a laissé trop de trucs au sol. Ah, flûte. Alors, écoutez, on va retourner dans la salle là-bas. On n'avait pas tout pris. Au pire, on va laisser des choses au sol par là. Hein. Écoutez, c'est pas très grave. On va prendre Billy. Non! J'en peux plus de moi et mes fails. Bon, on va laisser ça ici. Oui. Ouais, ça les a laissés là, c'est bon. Ici, on va laisser la petite statuette. J'aurais préféré qu'il y ait des coffres comme dans le 1 en vrai. Hein, parce que franchement, c'est devoir laisser des trucs au sol, c'est un peu nul. Hein. Alors, Rebecca.
C'est fermé, la porte est ornée d'un symbole de feu, donc on a une deuxième porte avec le symbole du feu, donc il faut qu'on trouve vraiment une clé. Encore des munitions, bah écoutez, on va prendre. Visiblement, on a fait le tour de cette pièce, les amis, donc on va pouvoir retourner à l'étage chercher le truc qui brillait, là, je ne sais pas ce que c'était. Tac, hop, allez, Hello, tu passes par là. Allez, copain. Tu restes là. De toute façon, tu vas m'embêter plus qu'autre chose. Donc, autant que je te laisse là et que j'aille chercher le truc toute seule. Bon. Hop. Allez, c'est parti. On va chercher ce qui traînait là-bas. On va voir ce que c'est. Ah, c'est par là. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah bah la manivelle. C'est ce qu'on va avoir besoin là-haut, non? Oh putain, sors de là, Hello. Ah, je déteste les corbeaux dans ce jeu. Est-ce qu'ils nous ont blessés? Non. Donc, on va examiner l'objet. Ouais, ça c'est un truc carré, donc c'est pour le truc là-haut. Ok, donc on est bon. Hop, hop, hop. Allez, Rebecca, descends, ma chérie. Come on. Ok. On va prendre Billy, les amis. Allez, c'est parti, Billy. On y va. Qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté? Ok, donc on va aller tout au bout du couloir. J'aime bien aller au fond d'abord. Tac. La porte est verrouillée, mais il n'y a pas de serrure. Une horloge est gravée sur la partie supérieure. Je tire même pas sur lui, mais... Ah, je suis en danger. Oh, faut que je trouve un... Il faut que je prenne un soin, moi. Attendez, j'aurais peut-être pas dû aller là. J'aurais peut-être dû aller d'abord dans le hall. Pardon, Rebecca. On va sortir de là, on va aller dans le hall. On va aller prendre un soin, les amis. Et après, on va revenir. On va aller jouer sécurité un peu fine. Parce que sinon, clairement, on va crever en 2-2. Tac, tac. Donc le premier monstre un peu sensu, donc je vous avoue que ça va être chaud à mon avis de les tuer. Ça va être très très chaud. Combiné et combiné, on est ok. Donc un soin pour petit Billy Billy. Voilà pourquoi ça aurait été mieux d'avoir une caisse. Ou mettre les trucs comme dans le 1. On n'aurait pas galéré à essayer d'avoir un soin. Utiliser. On est ok. On va en prendre un autre sur nous. On sait jamais si on croise un de ces engins. Tac. Et yes, on prend le soin, mesdames et messieurs. Rebecca, niveau... Hop. Donc, on va d'abord aller continuer à explorer là-bas et après on ira mettre la manivelle là-haut. Et on verra ce qui va se passer. On a exploré déjà pas mal d'endroits. On est loin d'avoir fait tout, mais écoutez. Mais c'est affreux! Mais qu'est-ce qu'on doit faire contre ces sangsues? Alors, une plante rouge. Une plante verte. Hop, oh, puis un niveau inventaire, on est blindé. Parce que du coup, j'ai pris des choses parce que je voulais
On ait des choses sur nous. Bon, écoutez, hein, on laisse tomber. On laisse tomber. Sors de là, Billy, dépêche. Je sais pas qu'est-ce qu'il nous faut pour détruire ces choses, mais ça sert à rien qu'on leur tire dessus parce qu'au final, on se rend mal. Et ça va pas nous aider. Donc, on a du soin qui traîne là, on a du soin qui traîne là-bas dehors, on a du soin un peu partout. Écoutez, au moins on sait qu'il y en a, mais il n'y a rien d'autre qui va nous aider pour notre réussite au niveau des missions. Donc, autant tout laisser où c'est. Donc, la salle avec les microfilms, il faut prendre la grande porte là-bas au milieu. Avec les microfilms, avec la manivelle, pardon. Le microfilm, on l'a laissé. Je ne sais pas à quoi il va nous servir pour le moment. Je sais que c'est dans une des salles, mais je saurais plus vous dire où. Hein. C'est pas pour rien que j'ai attendu 4 mois avant de refaire le let's play, c'était pour justement me vider la tête du jeu et pouvoir passer à autre chose. Hop, allez, go, on y va. Du coup, la grande salle là. Alors, viens, Billy. Hop. Utilisez. I'll go check over there. Okay. Hop. Allez, Billy. Yes. Au revoir, Rebecca. Donc nos héros vont encore être séparés, donc j'attends, je m'attends au pire. Ah, il y a des munitions. On doit être full. Alors. Alors les amis. C'est la première fois que j'arrive aussi à tirer comme ça. Je suis choquée. Bon, le soin, il n'est pas de refus. Très clairement. Parce que le premier nous a mis à mal. Tac. Wouh! Ben. 22 joues. Hop. On prend les munitions. On est OK. Où est-ce qu'il était l'autre? Ah voilà, c'est là. Il y a des munitions pour fusil, donc on prend aussi. Hop. Hop. Allez, on combine tout ça, les amis. Et on va pouvoir poursuivre. Ah oui, du coup, c'est là. Il va falloir qu'on utilise un truc plus tard au niveau de l'horloge. Bah écoutez, hop, on continue. Hein. Il y a une porte. Donc on est séparé de Billy. Il faut qu'on arrive à le retrouver, notre petit Billy, hein, bien évidemment. Ok, on est dehors. Il y a des plantes. Ok. Il y a plein de plantes. Devrons-nous dire. Ouais, clairement, ça fait très bizarre de voir à quel point il y a des plantes par rapport à avant. Alors, c'est... La machine a terminé d'enrouler la chaîne. Ok. Il n'y a rien qui traîne, il y a une échelle, on va descendre. Qu'est-ce qui se passe en bas? Ok, donc il faudra qu'on arrive à... Ah d'accord, la manivelle, il faut l'activer. Ouais, ça y est, je me rappelle. Il faut l'activer avec Billy pour que Rebecca puisse aller chercher l'objet qui brille. Donc on vient de par là. Et par là, c'est quoi? C'est quoi par là, les amis? Je ne sais plus. Ah, mais c'est de là d'où on vient. Ah, je suis quiche, moi. Donc, c'est la porte qui est juste à côté de des manivelles qu'il faut que je prenne. Oh, purée. Aucun sens de l'orientation dans les jeux. Bah, on est à côté de la manivelle. Bah, mince, il n'y a pas d'autre porte.
Ah oui, donc là, c'est l'histoire des statues, machin, là, qu'il faut qu'on arrive à débloquer. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Ah, là, il y a un escalier. Je ne me rappelais plus. Hop, alors, Rebecca. La porte est déverrouillée. Ok, nice. Donc c'est quelle porte? Où est-ce que ça nous emmène? Nice. Donc on va pouvoir reprendre le point de vue de Billy. Est-ce que je peux laisser quelque chose ici ou pas? On va... Hop, on va prendre Billy. Et c'est parti, on va le faire rejoindre Rebecca maintenant que je vois où on est. Allez, c'est parti. Parce que ouais, il va falloir que j'arrive à faire des micmacs avec l'inventaire histoire qu'on ait de la place. Ah, l'inventaire. Allez, Billy. C'est par là pour aller dans le hall. Hop. Yes. On a échangé tout ça avec Rebecca. On n'a pas beaucoup de place, hein, c'est galère, hein, mais vraiment. Let's go. Okay. Allez, on y va tous les deux. Faut qu'on aille récupérer l'objet qui brille. Et il y a encore la petite salle qu'on n'a pas ouverte, donc on va l'ouvrir également. Et on va voir tout ce qui se passe, les amis. On va trouver à l'intérieur. Bon, j'ai utilisé toutes les balles là. Ils sont morts? Ouais. Ah! On a carrément un lance-grenade. Bon. Du coup, ça va être un peu la galère. Donc, on laisse ça. On prend ça. Ah, une allure. Ouais, non, mais c'est pas ça que je veux. Je t'explique le jeu. C'est ça que je veux. Ah, voilà. C'est quoi? Grenade au napalm. C'est un peu chelou tout ça. Tac. Billy. Non, c'est pas ça que je veux. Ah, ça y est les amis, j'ai réussi à les avoir. C'est vraiment de la merdouille tout ça. Hein. Donc il a de la place et je vois qu'il y a un autre bout de statue là. Hop. Donc lui on prend. Par contre... C'est fermé. La porte est ornée d'un symbole d'eau. Donc ok, donc il faut qu'on trouve un truc par rapport au feu et par rapport à l'eau. Et on a des statuettes. Ok, pourquoi pas. Donc on sort de là. On sort de là. Et on va l'actionner ce mécanisme. Écoutez, hein. Eh bien mon chou, on va aller s'occuper du mécanisme. Bah écoutez, on va s'occuper du mécanisme et après, bon, on se quittera. Ça va déjà faire 30 minutes. Mais avant, on va faire ça tant qu'on est là. Let's split up. Okay. Donc, on va prendre le point de vue de Rebecca. Non, le point de vue de Rebecca, s'il vous plaît, l'inventaire. On va quand même l'équiper. Ah oui!
Ah ouais, on est blindé. Elle va pas pouvoir récupérer l'objet. Bah écoutez, on fera ça la prochaine fois. On va aller sauvegarder. Et la prochaine fois, bah, on laissera encore des choses quelque part. Viens, Billy, on va aller sauvegarder. Parce qu'on est blindé niveau inventaire, donc c'est un peu galère. Donc on va aller déposer. Billy va aller déposer un truc. La statuette, je pense. Et on va aller sauvegarder, écoutez, hein, c'est pas grave. Parce que ça fait 30 minutes, on a fait pas mal de choses, je trouve, dans l'épisode. J'ai l'impression que je suis plus rapide que la première fois que je l'ai fait. Bon, après, peut-être parce que je connais du coup un peu le jeu, du coup j'arrive à mieux m'orienter, je sais pas, je perds moins de temps. J'en ai aucune idée. Mais j'ai l'impression que je me débrouille mieux. Au niveau des déplacements, tout ça, j'ai l'impression que je gère un peu mieux. Du coup. I'll go. Okay. Alors, on va déposer la statuette dans la salle qui est là-bas, puisque c'est là-bas qu'on a mis l'autre. Donc on va faire pareil, comme ça au moins on sait où sont les choses. Parce que pour le moment, je sais pas quand est-ce que ça va nous servir. La statuette, elle est là, vous voyez. Je sais pas comment on fera pour la récupérer, mais elle est là. Ah, j'aimerais tellement avoir les coffres comme on avait avant. Ah, je l'ai déposée là, je la vois même pas. Ah ouais, ça va être chaud ça. Bon, je crois qu'on va avoir des moments de galère là. Bon, je suis en joy. Je trouvais pas ça si mal. Mais là, je commence à changer d'avis. Une machine à écrire, enregistrer les données. Oui, madame. Oui. Allez. Bon, bah, les amis, voilà, on s'arrête là pour cet épisode 3, du coup. Et bah, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à donner vos retours dans les commentaires par rapport au gameplay. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode suivant. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des bisous, les amis. Bye bye à tous.